Compagnie de moi-même Hey, et salut tout le monde. Atuf pour un nouveau petit défi. Ceux qui suivent mes vidéos ont dû comprendre en filigrane que depuis que je joue à l'Outro et que j'ai fait un peu le tour du jeu, j'adore me poser des petits défis. On évoquait hors caméra que j'ai fait le défi de tenter de monter un personnage juste en faisant de la cuisine au niveau artisanat. J'ai aussi fait un défi avec un autre copain à l'époque de monter tous mes persos avant lui. J'en avais 10 à l'époque, level 100, qui était le level max. J'ai gagné, je Bravo. précise. Et donc là, ben voilà, ça, c'est quand on a la fibre défi, on la perd pas, je pense. Et puis on discute avec Ouais. Atlif beaucoup. Du coup, de fil en aiguille, on s'est dit un vieux défi que j'avais en tête. Est-ce qu'on peut finir le jeu en ne faisant que les quêtes épiques? C'est-à-dire, on peut faire d'autres choses que les quêtes, mais au niveau des quêtes, on se contente que de l'épique. Donc, bon, on s'est dit, tiens, on va le faire. Déjà, on était dans l'idée de le faire en binôme pendant que Et monsieur oui, bah fume la je pipe. t'écoute, je t'écoute. Comme j'ai atteint les 100 abonnés, ce que je trouve plutôt sympa parce que ça veut dire que ce que je fais plaît un petit peu, je me suis dit, tiens, ça pourrait être aussi l'occasion, pourquoi pas, de vous inviter, vous qui regardez cette vidéo, à nous rejoindre, et à faire le défi aussi. Donc on va vous expliquer, enfin je vais vous expliquer les règles. Alors je suis désolé, les images sont un peu statiques du coup parce qu'on ne Si je fait rien. fume, c'est pas vrai, je fume. Merci. Voilà. Mais c'est la petite vidéo blabla qu'on va faire aussi courte que possible pour vous expliquer comment faire le défi. Nous, on va le faire de toute façon. Si vous avez envie, vous pouvez nous rejoindre. Alors, comment nous rejoindre? Déjà, il faut créer un personnage exprès. Alors, VIP, free to play ou pas, peu importe. Les free to play peuvent faire les pics. Je crois Normalement, qu'ils ont ouais. accès Ouais. à Normalement, on peut l'ensemble sans faire payer. toutes les quêtes épiques, même en free to play, ouais. Voilà, donc ça devrait le faire. Si vous êtes en VIP, par contre, vous essayez, par exemple, là je vais ouvrir mon inventaire. Alors j'étais sur Minecraft, du coup, il faut que je réactive tout. Par exemple, je n'ai pas activé, vous voyez, moi j'avais acheté l'extension du Rohan, donc j'ai pas activé le bouclier de points de marteau qui pourtant me donnerait plus 25% en XP par monstre tué. Pour jouer le jeu, défi, ça veut dire galérer un peu, sinon c'est pas un défi. Je n'ai rien activé à part les trucs qu'on trouve dans le jeu normal. On a testé du coup avant de lancer ce petit trailer, pour en arriver là chez Prosper et commencer le livre 1, vous avez tout le prologue à faire avant. Et on vous propose de se retrouver à ce niveau-là. D'ailleurs, on ne va pas aller plus loin pour l'instant. On va voir si on se retrouve sans doute. Alors, c'est peut-être pas la semaine prochaine, on verra. Je réannoncerai de toute façon le camp. Peut-être que ce sera l'occasion de faire du live aussi, parce que j'ai testé, mon PC me le permet apparemment, donc ça peut être l'occasion de se retrouver tous en live. Par contre, on n'entendra sans doute pas vos voix, parce qu'en live, je vais plus galérer à les enregistrer. Donc l'idée c'est de se retrouver, pourquoi pas, de se dire, tiens, tous les lundis soirs, vers 21h30, 22h par exemple, Ouais, ouais, c'est pas 21h30, ça mal, me ouais. semble pas mal. On se retrouve, pourquoi pas là, au poney fringant, et puis on continue les pics, en sachant que de toute façon, on se dit justement qu'on n'avance pas tant qu'on n'est pas tous ensemble. Pour que nous, ça nous freine pas, je vais changer cette règle-là immédiatement, c'est-à-dire que moi et Atluf, on n'avancera pas tant qu'on n'est pas ensemble. Par contre, les autres qui nous rejoindraient, vous suivez les vidéos. Si vous voyez que vous avez pris du retard, vous êtes autorisé évidemment à le rattraper, mais vous ne devez pas nous dépasser, puisque si vous voulez nous retrouver au même endroit pour la vidéo, il faut le faire en même temps. Sinon, ça ne marche pas. Donc ça, c'est pour les aspects fonctionnels du collectif, du défi collectif. Et puis, si on y arrive, et puis j'ai 104 abonnés, imaginons que nous soyons 104 à réussir l'Outro en ne faisant que les pics, je pense que ça vaudra bien un petit cadeau de la part de Standing Stone Game quand même. On verra. Alors, les règles. Les règles sont simples, on ne fait que les pics. Par contre, pour accéder par exemple à la quête de Prosper derrière nous, le livre 1, après le prologue, il faut être level 13 minimum a priori. Et quand vous finissez le prologue, vous êtes level 10-11 à peu près. Donc il va falloir farmer, donc n'hésitez pas dans ces cas-là à faire des prouesses, à faire de l'artisanat, à faire, qu'est-ce qu'on a dit Prouesse d'autre? Il y en avait un artisanat, il troisième. y a les tâches, effectivement, même si elles rappellent,
il n'y a pas grand chose. En fait, il vous faut tout ce qui peut vous permettre de gagner de l'XP sans partir non plus en prenant les quêtes à gauche à droite pour arriver au niveau qui va vous permettre de prendre la quête épique justement au niveau de Prosper. Voilà, ce qui est donc a priori d'après ce qu'on a cerné, deux levels en dessous du level recommandé qui est 15. Donc ce sera sans doute vrai pour toutes les autres quêtes épiques, donc à chaque fois il y aura sans doute une petite étape farm pour atteindre le level minimum et pouvoir progresser. C'est vraiment épique, je mettrai sans doute, je ne sais pas encore comment parce que c'est compliqué, mon prologue avec le haut elfe qui est devant vous, parce que j'ai bien galéré, le sentinelle en plus a été nerfé, il fait partie des classes qui ont été revues par les développeurs, donc je galérais bien sur certaines instances. Je suis mort une bonne dizaine de fois déjà. Ah d'accord. J'ai bien galéré. Le Béornide n'a pas été encore revampé, mais attends-toi à galérer. Pour le coup, moi avec le Béornide, ça a été plutôt assez tranquille et j'ai eu aucun moment difficile, on va dire quoi. Moi je voyais mon moral baisser, j'ai plus. Mais tant mieux, c'est l'intérêt parce qu'on le dit souvent, l'autre est super à plein de niveaux, mais il est un peu facile quand même quoi. On fait toutes les quêtes, on est hors level très vite et du coup c'est fastoche quoi. Justement l'idée c'était un peu ça, c'est de se dire tiens, est-ce qu'on peut le faire, et puis ça rend le jeu épique au sens littéral du terme. Donc c'est un peu l'UHC de Minecraft qu'on fait dans l'autre quoi. Et donc on le fera tous les deux et puis qui veut vient. C'est l'objet de cette vidéo, vous dire que vous êtes invité. Si vous respectez les règles évidemment, donc ce sera simple de toute façon. Enfin, alors d'ailleurs vous respectez pas les règles, c'est tant pis pour vous. C'est un défi personnel. Pour se faire plaisir à soi, si ça vous amuse pas et que vous partez sur autre chose, enfin c'est pas grave en soi, on joue pas non plus. On fait ce qu'on veut pour se faire plaisir, voilà. C'est ça. C'est un jeu. Si ça vous amuse de faire ce défi, c'est super. Sinon, c'est pas grave. Voilà, c'est l'occasion, moi en tout cas, pour mes abonnés et puis ceux qui ne le sont pas encore et qui le deviendraient, de se dire, il y a un moment où c'est collectif, et donc ça devient un défi un peu binôme collectif, je trouve ça sympa aussi. Voilà pour les explications concernant ce petit défi épique Lotro. Si ça vous intéresse, vous suivez, vous vous abonnez, je reposterai sans doute le moment exact. Alors c'est compliqué avec les vacances là, parce qu'on avait dit tous les lundis soirs. Moi ça va le faire début juillet, faut que je vois. Si lundi prochain on se retrouve, là on est le 25 juin, ouais. Voilà, on est le 25 juin, donc ça nous fait le 2 juillet si je m'abuse pas. Un truc comme ça, ouais. Ce serait le 2 juillet au soir, éventuellement, pour lancer le premier épique. Il faut qu'on fasse le point tous les deux pour voir si... Là, dans l'idée, si on part sur le lundi 2 et que c'est validé comme ça, donc vous avez une semaine pour monter un perso au niveau 13 et donc revenir au poney fringant. Et à partir de là, on partira sur les premières quêtes épiques, le prologue étant fini. Ça peut être pas mal. Mais donc, à confirmer pour cette date de lundi, ça, Holch, tu feras... Ouais, je réfléchis en même temps, du coup je n'ai rien de spécial. Donc si moi, ça a priori c'est bon toi, aussi, je pense que ça passe aussi pour moi. On se dit le 2 juillet 21h30, comme ça pas besoin de refaire ça, une ça annonce. Ça paraît pas mal, le 2 juillet 21h30. Et puis on verra pour le suivant, parce que on va essayer de le faire chaque semaine, mais avec les vacances on pourra sans doute pas. Donc on fera quand on pourra, parce que là aussi c'est un jeu, c'est on va ça, pas l'idée. Se prendre la tête. Eh bien, donc on se donne rendez-vous le 2 juillet à 21h30 pour ceux qui veulent, sinon on sera tous les deux, mais c'est pareil, on s'amusera quand même. Voilà. Et puis je ferai peut-être du live ou pas, je verrai bien. Comme je disais, l'inconvénient du live, c'est que j'aurai sans doute pas la voix des autres, donc à voir. De toute façon, je pense que je ferai des lives parce que apparemment j'avais des spectateurs, donc ça peut être rigolo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc lundi prochain à 21h30 pour ceux que ça intéresse, et puis la vidéo à suivre, elle ne sera pas tout de suite en ligne de toute façon, même s'il y a du live. Si ça vous intéresse, vous suivez, si vous aimez, vous mettez les petits pouces bleus, si vous voulez suivre toutes nos aventures, et les miennes en particulier, puisqu'on est sur ma chaîne, vous vous abonnez. vous n'hésitez pas à visiter d'ailleurs la chaîne d'Atlif, Atlif Roi sous la montagne, parce qu'il fait des vidéos aussi, donc il n'y a pas de raison, il faut visiter les deux, ça fait deux points de vue comme ça. C'est clair. Allez, salut, à bientôt. Ciao.